Alléluia. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Alléluia. Nous allons parler ce matin d'un sujet très capital. Amen. Nous allons voir les deux sortes de foi qui peuvent changer la vie d'un croyant. Amen. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière que l'être humain ne sait pas aimer Dieu par lui-même, mais que l'être humain a besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand il entre dans la présence de Dieu, il commence à apprendre à aimer Dieu. Amen. Amen. L'être humain par lui-même ne sait pas aimer Dieu, mais l'être humain a besoin d'apprendre par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, à aimer son Créateur. Amen. Amen. C'était un des premiers commandements que Dieu a donné à Moïse, dans lesquels il a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Amen. Et nous avons vu ensemble la semaine dernière que pour pouvoir aimer, Dieu nous a donné une image. Nous avons donné une image d'un homme qui devait construire une maison. Quand l'homme avait les plans de l'architecte dans les mains, cet homme était heureux parce qu'il était fier de ce qu'il allait construire. Amen. Amen. Mais quand cet homme a commencé à creuser avec sa pelle pour pouvoir poser la fondation de la maison, il a trouvé que c'était une chose très difficile. Et que malgré qu'il avait cet amour pour construire cette maison, au bout d'un moment, le découragement arrivait. Et nous avons pu voir que c'est à ce moment-là que beaucoup d'enfants de Dieu lâchent prise. Parce qu'ils sont comme cet homme qui ont vraiment à cœur que cette grande maison soit construite. Mais quand ils commencent à creuser, quand ils commencent à creuser dans leur cœur pour poser les fondements, à un moment donné, il y a un découragement qui arrive. Amen. Et le Saint-Esprit nous a interpellés et nous a dit que c'est dans sa communion, en insistant, en persévérant, que nous commençons à apprendre à aimer notre Dieu comme il est. Amen. Alléluia. Et c'est comme cet homme qui continue malgré le découragement. Quand il arrive pratiquement à la dernière tuile qu'il pose sur le toit, cet homme est heureux. Amen. Amen. Et c'est le sort de chacun d'entre nous si nous persévérons jusqu'à la fin, le jour de l'éternité, quand tu arrives devant Dieu. Amen. Tu seras heureux comme cet homme. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même chemin. Et aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose de particulier. Amen. Le Saint-Esprit veut t'apprendre quelque chose de particulier pour ta vie et qui va révolutionner ta vie, qui va révolutionner l'Église et qui va révolutionner les nations. Amen. Amen. Alors j'ai parlé au début de mon thème qu'il y a deux sortes de foi. Donc il y a une foi qu'on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup vu. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais on va juste lire un verset ensemble dans la Bible, dans le livre de Hébreux 11. Le livre de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1er. La Bible nous dit: or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Dans le verset 6, il nous dit: or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, ça, c'est le premier degré de la foi. C'est de croire que Dieu existe et qu'il est notre patron. Amen. Amen. Et ce qui fait vivre notre foi, c'est l'obéissance à ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Amen. La Bible me dit: mon juste vivra par la foi,
Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est ce qui fait vivre quotidiennement le croyant. Mais bien des fois, nous pouvons voir que malgré que nous arrivons à arriver à ce premier niveau de foi, qu'on commence à recevoir de Dieu des cadeaux, des dons, arrivé à un moment donné, il y a comme une frustration qui arrive dans l'être humain. Et il y a comme à un moment donné, une étape dans laquelle on n'arrive plus à aller plus haut. Amen. Eh bien, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la deuxième foi. Ce que l'apôtre Paul a appelé dans le livre de Corinthiens, le don de foi, et qui est un don que chaque croyant doit être armé. Amen. C'est un don dans lequel tu dois être armé pour ta vie. Parce que c'est l'arme la plus puissante contre toutes les choses que le diable veut faire contre ta vie. Amen. Regardez ce que Jésus dira. La Bible me dit que Jésus dira: cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les choses te seront données par-dessus tout. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vraiment suivre les différentes étapes qu'on est en train de dire, parce que ça va révolutionner ta vie spirituelle. Amen. La Bible dit: fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Si nous regardons ces versets et nous commençons à regarder nos vies, nous allons voir que bon nombre de nos désirs ne sont pas exaucés et ne trouvent pas l'épanouissement parce qu'il nous manque quelque chose. Amen. Amen. Et ce quelque chose, ça revient toujours dans nos vies, c'est cette sorte de frustration. Amen. Amen. Regardez, nous allons lire ensemble le livre de Marc 9, verset 23. La Bible nous dit: la Bible nous dit quelque chose de particulier. Nous allons lire ensemble. Nous allons commencer vers le verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulant en écroulement. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père lui dit: depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose pour nous, viens à notre secours et aie compassion. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et alors que hier soir j'étais dans la chambre, que je ne savais pas qu'est-ce que je devais apporter, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit: tu vas parler sur le message de cette foi qui doit être une arme pour le croyant. Amen. Et il m'a donné ce verset. Et dans ce verset, il m'a dit: tu vois, bon nombre de mes enfants sont comme cet homme. Ils viennent devant moi par des prières. Et quand ils commencent à prier, ils disent à Dieu: si tu peux, si tu veux bien. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que quand cet homme est venu vers Jésus en lui parlant de cette manière, Jésus lui a répondu d'une autre manière. Il lui a dit: comment ça, si je peux? Il lui a dit: tout est possible à celui qui croit. Alors la Bible me dit dans le verset 24: aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Ce qui bloque nos vies, ce qui détruit nos vies, c'est cette incrédulité que Dieu puisse agir dans nos vies et nous donner tout ce que nos cœurs désirent. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples: si tu as de la foi, comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Amen. Amen. Maintenant, nous allons expliquer quelque chose de particulier.
Combien de fois, quand nous avons demandé quelque chose que nous désirons, avons-nous, Seigneur, dit à Seigneur, « Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, si tu peux, Seigneur, si tu veux. » Combien de fois avons-nous dit cela à Dieu? Et par notre prière, nous sommes restés frustrés. Amen. Amen. La Bible nous dit que si tu as fait de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Ça veut dire tous les plus petits désirs, même les plus fous. Dieu a fait une promesse. Il a dit, il te les donnera. Amen. Amen. Mais le problème, c'est pas que lui ne peut pas te donner. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas les prendre et tu ne veux pas croire à ce que Dieu te dit. Amen. Cette même incrédulité qui bloquait cet homme pour la libération de son fils, bien souvent, bloque les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, il y a une histoire qui est très puissante, dans laquelle Dieu a choisi Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et la Bible dit que Dieu a amené ce peuple avec Moïse dans le désert pour leur apprendre les différentes règles. Et quand c'était le moment, Dieu a dit, maintenant vous allez rentrer dans le pays, dans la bénédiction, tout ce que vos cœurs désirent, vous allez le recevoir. Et les enfants d'Israël ont gardé cette même incrédulité en eux. Et par cette même incrédulité, cette incrédulité a laissé mourir toute une génération dans les déserts. Amen. Regardez ce que la Bible me dit là dans le livre de la Genèse. Genèse 15, verset 13. La Bible me dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils ont été esclaves et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Toi, tu mourras et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Après la quatrième génération, il viendra ici, car c'est seulement alors que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Amen. Pourquoi Dieu voulait donner à la descendance d'Abraham le pays d'Israël? Dieu voulait donner ce pays à cause d'une seule chose. Premièrement, à cause de la promesse d'Abraham, et deuxièmement, parce que les péchés du peuple des Amoréens a atteint un comble extravagant. Amen. Amen. La Bible me dit, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Nous sommes dans un temps où Dieu récompense ceux qui le cherchent et ceux qui marchent dans la sanctification. Amen. Mais comment le monde peut être attiré par cela? J'aimerais te dire, Dieu veut te bénir, mais pas de la manière dont toi tu décides qu'il te bénisse. Amen. Dieu veut te bénir d'une manière qui ne te coûte rien du tout. Amen. Pourquoi Dieu agit comme ça? Parce que Dieu veut enlever au pécheur la sueur de son front pour la donner à ceux et celles qui le cherchent, lui, réellement. Amen. Si nous voyons l'histoire d'Israël, Israël est rentré dans un pays dans lequel qui était déjà, les maisons étaient déjà construites, tout était déjà fait. Pourquoi Dieu a donné un pays à une nation? Parce que c'était la nation que Dieu avait choisie pour honorer son nom. Amen. De la même manière, aujourd'hui, les pays ont atteint une déchéance morale du péché énorme. Dieu veut bénir l'Église pour que les païens commencent à envier les enfants de Dieu pour qu'ils puissent chercher d'où vient le secret de ta bénédiction, de ta prospérité et de la multiplication dans ta vie. Amen. Jésus a dit, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu parce que vous ne savez comment demander. Amen. Dieu veut, le Saint-Esprit nous interpelle ce matin et désire que nous puissions lui demander en croyant qu'il accomplit ce que nos cœurs désirent. Amen. Combien de temps allons-nous encore attendre? Combien de temps allons-nous être encore frustrés? Combien de temps allons-nous encore
Amen. Cet homme qui son fils était lunatique a compris. Et il a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Jésus aimait des hommes qui venaient à lui et qui avaient une foi au béton. Amen. Cette femme qui avait la perte de sang, elle n'a pas dit, Seigneur Jésus, si tu peux me guérir, guéris-moi. Elle a dit, si seulement je touche son manteau, j'arrache mon bénédiction. Parce que je fais de l'Éternel mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris. Et dans les déserts, ils n'avaient pas compris que s'ils demandaient simplement avec foi, Dieu leur donnerait tout. Mais les enfants d'Israël demandaient les choses en murmurant, en disant, Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas de la viande? Seigneur, pourquoi sommes-nous dans ce désert pour mourir? Seigneur, si tu veux, envoie-nous ailleurs. Renvoie-nous en Égypte. Voilà la prière de beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, la volonté de Dieu, c'est d'accomplir tout ce que ton cœur désire si tu fais de lui ses délices. Amen. Amen. Si tu fais de lui tes délices, tu n'auras jamais de problème en lui demandant quoi que ce soit, car il te l'accordera. Amen. Même les choses les plus folles. Et Dieu veut que nous commencions à croire qu'il nous donne tout ce que nos cœurs désirent pour que les païens puissent être étonnés et dire, mais ils ont tout sans que ça leur a rien coûté. Amen. Dieu veut te donner tout sans que ça ne coûte rien pour faire envie aux païens. Amen. Et quand les païens commencent à rechercher la présence de Dieu, les amène à la connaissance de Christ. Amen. Dieu, voilà ce qu'il veut faire. Voilà ce que Dieu veut faire. Et voilà ce que Dieu fera si tu commences à croire. Amen. Aujourd'hui, dans cette journée, le Saint-Esprit, ce qu'il veut donner à l'Église, c'est ce don de foi. Amen. Ce don de foi qui dépasse les montagnes. Ce don de foi qui renverse tous les raisonnements, toutes les pensées, toute l'incrédulité qui empêchait Dieu d'agir totalement dans ta vie. Amen. Regardez, nous allons lire ensemble dans le livre de Jérémie. Livre de Jérémie, 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les façonne et les met en place, lui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Dans les versets 9, regardez ce qu'il dira pour les hommes et les femmes qui commencent à agir par la foi et laisser leur incrédulité de côté. Cette ville sera pour moi un sujet de réjouissance, une louange et une parure parmi toutes les nations de la terre qui appartiendront tout le bien que je leur fais. Elles seront bouleversées et frémissantes de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorde. Amen. Regardez, lisez avec moi. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront le bien que Dieu te fait, les nations qui sont autour de toi, les gens qui ne connaissent pas Dieu, seront bouleversées et frémissantes de tout le bonheur et de toute la prospérité qu'il t'accorde. Amen. Dieu veut t'accorder une prospérité, un bonheur, parce qu'il veut combler tout ce que ton cœur désire. Amen. Mais il te demande de croire. Et il te demande de commencer à lui demander avec foi. Amen. Les choses les plus folles. Bien des fois, un faux orgueil s'empare de nos cœurs en disant non, on ne peut pas demander.
demander ça à Dieu. Non, on ne peut pas demander ça à Dieu. Ça, c'est l'incrédulité du diable qui vient détruire l'humanité, qui vient détruire l'Église. Amen. Parce que quand les hommes et les femmes ne voient pas que Dieu a béni l'Église, les hommes et les femmes ne vont pas rechercher la présence de Dieu. Amen. Mais quand tu commences à demander tout ce que ton cœur désire et ne rien cacher à Dieu, par la foi, Dieu t'accorde, Dieu te donne, et ensuite les nations seront bouleversées et frémissantes parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucune peine. Amen. Les hommes, pour être bénis, ils travaillent, ils font des choses très dures, ils se tuent à la tâche pour arriver à quelque chose. Mais parce que ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça les tue à l'usure. Amen. Mais la bénédiction de Dieu, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de progrès ou d'efforts. Tu as simplement besoin de faire de lui ses délices, de lui demander par la foi, et Dieu t'accorde sans effort sa grâce et son amour. Amen. Voilà la dimension de foi que l'Esprit de Dieu veut commencer à amener dans l'Église. Voilà la nouvelle dimension, la révolution d'une foi nouvelle et vivante qui va bouleverser l'Église. Amen. Nous croyons, nous voulons croire et nous voulons mettre notre foi pour le Centre mondial du réveil, pour l'Église. Les plus grandes bénédictions et les plus grands projets de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit te dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Laisse cette incrédulité de côté. Laisse cette incrédulité de côté. C'est cette incrédulité qui bloquait ta maladie. C'est cette incrédulité qui te mettait dans une telle situation. Dieu veut que tu changes de mentalité. Le Saint-Esprit veut que tu changes de mentalité. Et que quand tu es dans sa communion, dans sa présence, fais de lui tes délices. Commence à lui demander avec foi ce que ton cœur désire. Parce qu'il l'a promis. Amen. Il a dit, ce que je dis, je l'accomplirai. Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli et fait et exécuté tous mes desseins, dit l'Éternel. Amen. Eh bien, la parole de Dieu, c'est que si tu as fait de lui tes délices, il te donne tout ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que désire ton cœur. Peut-être certains, ils désirent une belle voiture. Peut-être certains, ils désirent une belle maison. Peut-être certains, ils désirent. Chaque personne sait ce qu'il désire. Amen. Mais une chose est claire. Si tu fais ce matin, si tu décides de changer, et que quand tu entres dans ta prière, tu entres dans une prière avec cette foi révolutionnante, tu auras tout ce que ton cœur désire. Amen. Santé, sainteté, bonheur, prospérité, multiplication, bénédiction, onction. Amen. Bien des fois, nous avons des dons. Nous avons des dons. Même pour l'Église, nous avons reçu des dons spirituels. Mais nous sommes incapables de les mettre en pratique parce que nous manquons de foi. Amen. Nous avons reçu des rêves, des projets. Nous avons plein de choses dans nos cœurs. Mais nous sommes incapables de mettre ces choses en pratique. Nous avons reçu l'onction, l'autorité. Mais ce qui nous empêche d'agir, c'est cette incrédulité qui vient te bloquer et te ronger. Amen. Et la Bible me dira qu'un jour, Dieu demandera de tout ce qu'il t'a donné, pourquoi ne l'as-tu pas fait fructifier? Amen. La foi audacieuse, cette foi, ce don de foi, va amener la multiplication et la fructification de tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois commencer simplement à faire confiance à Dieu et à
hommes et les femmes qui commencent à foncer, qui commencent à croire à ce que Dieu leur a donné et qui commencent à marcher de l'avant. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne te donne pas des dons spirituels pour que tu puisses dormir. Mais Dieu veut transformer ta vie pour la gloire de son nom. Amen. La Bible nous dit, voici que les jours viennent, dans les versets, Jérémie toujours 33, verset 14, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite à la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dira, voici la parole que j'ai dite, que ces jours sont là et qu'ils commencent, où j'accomplis la parole de bonheur que j'ai dite au Centre mondial de réveil, dans ta propre vie, dans la vie de tous les internautes, dans les églises de tous les internautes qui seront aussi là, que j'ai dicté sur la maison d'Israël, sur l'église et sur la maison de Juda. Amen. Ces paroles commencent à s'accomplir. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Amen. Le Saint-Esprit, dans cette communion avec l'Esprit, si cette foi-là ne devient pas réelle, nous serons dans la communion avec le Saint-Esprit des êtres frustrés. Amen. Amen. Mais dans la communion avec le Saint-Esprit, nous commençons à croire. Amen. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans la communion avec le Saint-Esprit. Il y avait la tente de la rencontre. Les enfants d'Israël étaient dans la gloire de Dieu. Mais en étant dans cette gloire et en ayant cette mentalité incrédule, ça les a tués dans le désert. Amen. Cette même mentalité qui a tué Ananias et Saphira dans l'église primitive. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils voulaient recevoir la gloire des hommes. Et cette incrédulité les a amenés à mentir. Amen. Oui. Cette foi, ce ton de foi va nous rendre fort face au péché. Amen. Oui. Souvent, les enfants de Dieu sont là, Seigneur. Je ne dis pas que je ne pécherai jamais parce que je suis faible. Mais moi, je te dis que si tu approches de Dieu avec foi et que je dis, Seigneur, je crois que parce que tu es à côté de moi, je ne pécherai pas, tu ne pécheras pas. Amen. Amen. Ce que ta bouche déclare, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Amen. Si tu viens toujours devant Dieu en ayant la peur, en ayant la crainte, ce qui va t'affecter, c'est la peur, la crainte, et là tu vas pécher. Amen. Pour marcher dans la sainteté, il ne faut pas une tonne de grands exercices, mais être dans la présence de Dieu et croire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Et quand tu sors de ce temps, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu marches avec un pas assurant parce que tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Et c'est une des prières qui était dans le Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus avait donné ses secrets. Voilà pourquoi Jésus, dans un corps de chair, malgré toutes les tentations, il n'a jamais péché. Amen. 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 L'apôtre Paul nous dira que celui qui est en Christ ne pèche plus. Voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment un homme pouvait dire ça avec une telle assurance? Comment un homme pouvait parler de ça avec une telle assurance, lui qui était humain? Une seule chose, il était en communion avec le Saint-Esprit et il avait commencé à grandir
Donc cette foi, amen. Ce don de foi, nous l'avons besoin. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit le déverse dans l'église. Pendant que nous prêchons, le Saint-Esprit est en train de déverser dans ton cœur le don de foi. Maintenant, prenez-le dans le nom de Jésus. Amen. Recevez maintenant ce don de foi. Et que ta vie de prière, ta façon de parler, puisse être transformée, radicalisée par la foi qui vient de Dieu. Amen. Cette foi, c'est une arme puissante contre toutes les flèches enflammées du malin. Qu'est-ce qu'il nous dira l'apôtre Paul dans Éphésiens 6? Le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. La foi, cette foi devient bouclier dans ta vie. Face à la pauvreté, face aux critiques, face au péché, et te fait grandir dans la gloire de Dieu. Amen. 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 Voilà ce que l'Esprit attend de nous. Voilà ce que l'Esprit attend de nous. Voilà ce que l'Esprit attend de toi. Il attend que ta foi devienne ferme. Amen. Amen. Il ne veut pas que ta foi soit peureuse. Ou Seigneur, si tu veux bien, oublions tous ces mots dans nos prières. Et dis Seigneur, tu as dit que si je te fais de toi mes délices, tu me donneras ce que mon cœur désire. Amen. Dieu est un Dieu de victoire. Amen. On peut prendre un exemple d'un père et de son fils, dans lequel le fils va vers le père. Et il dit, voilà, j'ai besoin de ça et ça. Si le père l'a en possession, il va lui donner. Amen. Mais dans notre univers charnel, bien des fois nous sommes limités pour donner certaines choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tout. Amen. Mais la Bible dit que Dieu est au ciel, qu'il est notre Père, et que toutes choses sont dans ses mains. Amen. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, tout lui appartient. Alors si toi, tu as des désirs et tu viens vers ton Père, tout ce que tu désires, il a le pouvoir de te le donner. Amen. Alors ne venons plus devant Dieu en disant, Seigneur, si c'est ta volonté. Parce que Dieu a déjà tout entre ses mains et c'est déjà sa volonté. Il a déjà répondu par sa parole. Amen. Dernière fois, nous disons, mais Seigneur, je ne sais pas. Dieu a déjà parlé dans sa parole. Il l'attend de toi que tu crois seulement. Amen. Et tu ne crains pas, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Amen. S'il y a une phrase que tu dois retenir du culte ce matin, c'est celle-là. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si seulement tu commences à croire, tu verras le Dieu de l'impossible devenir possible Amen. Dans ta vie. Amen. Le Dieu à qui toutes choses sont possibles. Et si tu commences à changer de mentalité dans ta communion avec l'Esprit, tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre. Amen. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre. Regardez la génération Josué. Josué, alors qu'il arrive au pouvoir, a commencé à parler à tous les descendants du peuple incrédule. Et Josué a commencé à leur dire, il a dit, vous savez, si vous ne croyez pas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous rentrerons dans le pays promis, sans vous si vous voulez pas. Et là, le peuple s'est mis comme un accord. Ils ont dit à Josué, nous t'obéirons et nous te suivrons comme nous avons obéi à Moïse. Amen. Et nous avons vu que, à partir de ce moment-là, le leader Josué et tous les hommes qui l'accompagnaient ont commencé à être animés d'une foi nouvelle, une foi victorieuse. Amen. Imaginez tourner autour des murailles de Jéricho seulement en chantant et en croyant que Dieu nous donne la victoire pendant 7 jours. Et le 7e jour, 7 fois. Imaginez le peuple. Ce n'était pas 1 kilomètre. Si on regarde même les petits villages, tu dois faire le tour du village. Et les autres te regardent. Amen. Mais leur foi vivante,
ce qu'ils avaient déclaré avec Josué afin que les murailles de Jéricho se sont ébranlées. Amen. Afin qu'ils soient rentrés dans le pays des Philistins pour en prendre possession. Amen. Chaque fois que le peuple de Dieu désobéissait à Dieu, on peut voir qu'ils ont été transportés dans divers pays du monde, dans diverses nations. Amen. Mais dans les années 60, quand Israël est redevenu un État, Israël a compris de nouveau cette révélation de Dieu. Cette foi, même s'ils n'ont pas tout compris, ils ont compris cette foi réelle en Dieu. Et Dieu a honoré en nommant un pays qu'on appelle Israël. Amen. De la même manière que Dieu a honoré son peuple, Dieu veut honorer l'Église. Amen. Dieu en a assez des pleurs, des gens qui disent « Seigneur, si c'est ta volonté, Dieu dit, tout est accompli. » Amen. « Je donne tout à celui qui fait de moi ses délices. » Amen. Si nous faisons de Dieu nos délices et nous laissons transporter dans son amour, alors commence à lui demander ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Mais pas lui demander en lui disant « Seigneur, si tu veux, Seigneur, tu as dit que si je fais de toi mes délices, tu me donnes ce que mon cœur désire. » Et tu commences à dire « Voilà ce que mon cœur désire !» Amen. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un homme pour te mentir. Mais le Saint-Esprit est Dieu et veut t'amener dans cette communion réelle et profonde avec sa présence dans lequel la foi va grandir. Amen. 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 Nous allons prier ensemble. Nous allons baisser nos têtes et prier. Et pendant un instant, la présence de Dieu va descendre dans ta vie. Pendant un instant de silence, tu reçois maintenant ce don de foi. Un don de foi. Si peut-être tu vois dans ta vie, tu as été incrédule. Peut-être tu n'as pas cru. Et peut-être que tu l'as dit, Seigneur, si c'est ta volonté, le Saint-Esprit te dit comment. Amen. Tout est possible. Tout. Alors si ça a été ton cas, comme cet homme qui est venu chez Jésus, alors fais cette prière avec lui. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je crois que tu vas donner ce que mon cœur désire. Seigneur, je crois. Commence à changer de mentalité. Commence à lui dire, Seigneur, je crois. Seigneur, il est là. Et de la même manière que les paroles de Jésus ont eu un impact sur la vie de cet homme et qui a amené le don de foi. Et je crois que les paroles de l'Esprit ce matin ont un impact sur ta vie et sur ton cœur pour te donner la foi. Pour te donner la foi. Prenez-le maintenant. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là pour l'Église. La présence de Dieu est aussi là pour ceux qui regarderont ce film. Maintenant recevez dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est partout. Saint-Esprit, touche maintenant. Touche maintenant. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de ta présence, Seigneur. Plus, Seigneur.
Maintenant, esprit d'infirmité, dehors. Dehors dans le nom de Jésus. Tout ce qui venait bloquer les dons de l'esprit, la communion avec l'Esprit Saint. Que l'onction nouvelle maintenant. Recevez une nouvelle onction. Recevez le don de foi maintenant dans le nom de Jésus. Recevez l'attouchement de nouveau. Recevez la santé maintenant. Plus. 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 Maintenant les maladies quittent les corps. Maintenant les maladies quittent les corps. Saint-Esprit, tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Tu touches maintenant. Tu touches. Tu touches. Tu touches maintenant. Esprit en train de toucher une personne qui avait une douleur au niveau du bas du dos, du côté gauche. Le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de toucher maintenant. Le touche du Saint-Esprit, tu touches maintenant. Tu visites maintenant. Recevez la sainteté dans le nom de Jésus. 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 Les douleurs au niveau abdominal commencent à quitter maintenant les corps. Les douleurs abdominales maintenant commencent à quitter les corps maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu touches maintenant. Il est une atmosphère de miracles, une atmosphère de guérison, une atmosphère de miracles et de guérison, une atmosphère de miracles et de guérison. Le Saint-Esprit touche en cet instant. Le Saint-Esprit vous touche, mamie, maintenant en cet instant. Et il vous dit, vous n'aurez plus ce problème d'ostéoporose. Maintenant, le Saint-Esprit vous touche maintenant et vous guérit. Vous sentez cette présence maintenant. Vous sentez Jésus. Cette présence qui vous visite. Au nom de Jésus. La présence de l'Esprit qui vous touche. Alléluia. Maman, j'ai cette parole pour vous de la part du Seigneur. Recevez maintenant. Saint-Esprit, tu touches maintenant et tu visites. Alléluia. Là où les docteurs voulaient condamner, maintenant je détruis. Sur ceux qui regardent cette vidéo, commence à le remercier. Commence à le remercier. Et commence à mettre cette foi en action. Commence à donner une prière audacieuse. Une prière qui déplace le ciel. Une prière qui fait trembler l'enfer. La Bible. Commence à marcher dans une foi audacieuse. Maintenant, maintenant, la gloire de l'Esprit Saint est là. La gloire du Saint-Esprit est là. Pour te toucher et te visiter. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments de culte. Ta fidélité aussi. Seigneur, tout ce qui voulait bloquer, que les ministères se lèvent, que les ministres de Dieu se lèvent. Jésus. Tu as dit prier le maître de la moisson, d'envoyer tes ouvriers dans la moisson. Seigneur, mon Dieu, mon roi, cet esprit d'incrédulité a bloqué même tes serviteurs. Maintenant, dehors dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame, je déclare ta présence, ta parole. Je déclare ta bénédiction sur cette nation. Nom de Jésus. Seigneur, je déclare ta bénédiction sur cette ville, nom sur ce pays, Alléluia. Sur les nations, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu touches en cet instant, Saint-Esprit. Alléluia.
Saint-Esprit, tu touches. Amen. Et c'est toi qui amènes toutes les bénédictions, des paix, de prospérité, de bonheur dans l'Église, pour que les païens voient la différence. Alléluia. Entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, là dans ce pays dans lequel le mal s'est accru, les lois se sont accrues pour le mal en acceptant l'homosexualité, en acceptant des choses ignobles qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons vu ce pays être frappé par la pauvreté à cause de ses péchés. Mais maintenant, nous te déclarons, Seigneur, par une parole de foi, que l'Église va commencer à resplendir et que les hommes et les femmes vont voir que c'est l'Église qui va bénir la nation, parce que c'est l'Église qui fait de toi ses délices, Seigneur. Esprit Saint, c'est toi qui bénis maintenant l'Église. Jésus. C'est toi qui bénis ce lieu aussi, Centre Mondial de Réveil. C'est toi, Seigneur, qui bénis tous ces serviteurs qui veulent marcher selon ton diapason et qui ne veulent plus marcher dans l'incrédulité, mais qui veulent marcher dans la foi. Alléluia. Qui veulent marcher dans la foi. Qui veulent marcher dans la foi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'onction qui se déverse dans ce lieu. Amen. Merci pour ta révélation de ta parole. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. 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 Acclamons pour notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.